Good morgen, allez, Idan et Susra aujourd'hui, le Lunishmat, le Sharon, Ben Fortune Mazal, Claude Israq, Ben Fortune Mazal et Dani Myriam, Bat Elise, Elisa Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude, me contacter les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Yoma, Perek Hay, Mishnah Alef. Otsiulo et Akaf, Vet Amarta, Vechafan Melochofnav, Venatan et Tochakaf, Agedol le Figodlo, Vakatan le Figotno, et Kachaita Midata. Natal et Amarta, Bimino, Vet Akaf, Bismolo, Hayame Alech Bahechal, Rabbi Yossi Omer lo haita sham el haparochet achat bilvad shenemar veivdila haparochet lachem ben hakodesh uben kodesh hakodeshim. Achitzona haita prufa min hadarom vapnimit min hatzafon. Mealech beneihem ad shemagia latzafon, higia latzafon, hofech panav ladarom, mealech lismolo im haparochet. עד שהוא מגיע לארון, הגיע לארון, נותן את המחתה בין שני הבדים, צבר את הקטורת על גבי הגחלים, ונתמלא כל הבית כולו עשן. יצא הוא בא לו בדרך בית כניסתו, ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו שלו להבעית את ישראל. משנה relativement longue, on va essayer d'aller, בעזרת השם vite, on va passer quelques petits détails qu'on reverra dans la prochaine משנה, et quand la prochaine משנה est relativement courte, on complétera alors. Un petit rappel d'abord, on est bien sûr dans l'avodot du Big Delavan, on est à Yom Kippour. Le Kohen Gadol a déjà les premières avodot générales avec le Big des Av. Après, il a mis les Big Delavan en se trompant en Mikvé, en changeant. Il a fait le vidouille sur le par, il a tiré au sort lequel Seir sera le Seir Lachem, Seir Lazazel. Il a ensuite fait la Shrita de son par, il a réceptionné le sang, il a donné à un Kohen qui le fait tourner. Il est monté sur le Misbéach, il a pris avec une première pelle des braises qu'il a descendues et qu'il les a posées par terre. À présent, il va tout de suite s'occuper de... J'avais dit une petite erreur d'ailleurs dans un shiur précédent, c'est pas grave. Premièrement, il va faire la avoda de la ktoret. Avec les braises, il va les utiliser. Mais avant d'utiliser les braises, donc il va falloir... Maintenant, pour le moment, il a les braises. La ktoret, c'est pas les braises. C'est bien évidemment de l'encens à brûler. Donc maintenant, on va lui sortir l'encens. Je vous explique très succinctement ce qui va se passer. C'est assez simple. Ce que la Mishnah va entrer dans des détails, du coup on risque de perdre le fil, mais c'est très simple. On va le sortir à la ktoret, il va la prendre avec ses deux poignets, il va la mettre dans une cuillère, ça s'appelle une cuillère, quoi, dans une marta, dans un kaf plutôt, et il va la mettre donc dans le kaf, dans la cuillère, et puis ensuite il va prendre la pelle avec les braises et la cuillère avec l'encens. Il va entrer dans le Kodesh HaKodashim, et quand il va être dans le Kodesh HaKodashim, il va prendre l'encens, il va la poser dessus. Il va la poser sur les braises, et comme ça va se remplir. D'accord? Maintenant, bien sûr, chaque détail requiert plusieurs précisions. Notamment, pour prendre la Ktoret, la mettre dans le kaf, il va d'abord la prendre avec ses deux mains, parce que la Torah insiste sur Melo Chofnav, avec ses deux mains, il va être Chofen, la Ktoret, Chafinat, la Ktoret, ça s'appelle, alors on va la mettre dans le kaf. Pour entrer dans le Kodesh HaKodashim, maintenant, il va y avoir une première petite histoire un peu complexe, en fait. C'est qu'il y avait, en fait, ce qui s'appelle le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, le Echal, pour arriver dans le Kodesh HaKodashim, il y a trois étapes. Il y a d'abord le Oulam. Le Oulam, c'est le préau, c'est déjà couvert. Après, on rentre dans le Echal, c'est la première pièce où il y avait là-bas la Menorah, il y avait là-bas le Misbeach HaKtoret, il y avait le Lechem HaPanim qui était là-bas. Et puis, il va falloir dépasser tout ça, pour ensuite entrer dans le Kodesh HaKodashim. Pour entrer dans le Kodesh HaKodashim, il y avait un rideau de séparation. En fait, c'était pas un rideau, c'était un double rideau de séparation. Il va falloir qu'il entre dans le rideau de séparation, qu'il longe le rideau de séparation, qu'il se retourne, et qu'il refasse demi-tour et pour aller à l'endroit du Haron. On précisera ensuite qu'est-ce qu'il y avait, ce sera la prochaine Mishnah. Il y avait le Haron, l'Arche Sainte, où il y avait les deux Badim qui étaient là. Il devait prendre, une fois qu'il arrivait devant, il devait maintenant poser la Marta, la pelle où il y avait les braises par terre, prendre l'encens, alors ça ne va pas être précisé dans la Mishnah, mais la Gemara explique longuement comment ça se passe, prendre l'encens qui se trouve dans le kaf, pour le remettre dans ses deux mains, c'était une avoda assez compliquée, parce qu'il y avait la quantité exacte qui se trouve dans l'encens, qui contient les deux mains, il ne fallait pas en perdre une seule goutte par terre. Donc en fait, il devait s'aider pour la soulever avec les dents, et la rapprocher comme ça, pour ensuite récupérer tout l'encens, et après il éparpillait l'encens sur les braises, et là, le Kodesh HaKodashim se remplissait de fumée, d'encens. Après, le Kohen se retirait
à reculons, sans donner le dos au Aaron, il se retire à reculons, il ressort comme il est rentré, il revient dans le Echal, donc dans la pièce où il y avait là-bas le Misbeh Haktoret et la Menorah, et il va dire là-bas une tfila. Il va prononcer une prière courte. D'accord? Je vous ai fait à peu près le plan de toute la Mishnah. On va revoir ça dans les mots et au fur et à mesure, on va rajouter quelques détails. Otsioulo et Takaf vet Amarta. Donc, premièrement, il a descendu une première pelle avec les braises, il l'a posée par terre. Ça, c'est la Mishnah au plus haut. Maintenant, on lui sort un kaf, une cuillère, avec une Marta, avec une pelle. En fait, c'est une nouvelle pelle. C'est une pelle où il y a toute la plein doctorat brute. Il va falloir qu'il prenne de là-bas. Vechafan melochofnav venatan et letor hakaf. Il va ramasser avec ses deux mains, ses deux poignets. Chafan, c'est un terme qu'il utilisait, il va poigner des poignets. Il va prendre avec ses deux poings, ses deux mains, il va prendre donc de la torette. Venatan et torakaf, il va la mettre dans la cuillère. Et la Mishnah précise la quantité. Agadol et figo de l'eau, s'il est grand, qu'il fasse une grosse poignée, une double poignée. Vekatan et figotno, si c'est un petit Kohen, qu'il fasse avec toute sa main. Parce que Vekachaita Midata et la Torah incité, c'est ça la mesure. Selon ce que le Kohen est grand ou petit, tu prends le Melochofnaim de ça. Les deux poignées de ça. Ensuite, donc maintenant il a maintenant, on est toujours, il a par terre, il a laissé sa première pelle avec les braises, et maintenant il a un kaf avec la ktorette. Alors, Natalet Amarta Bimino, Vetakaf Bismolo. Il va prendre maintenant la Marta, la pelle avec les braises dans sa droite, et kaf Bismolo et la cuillère avec l'encens dans sa gauche. Entre parenthèses, on va soulever la gamme déjà. Il y a quelque chose de pas tellement logique, toujours le Yamin, la droite, c'est là où on prend le plus important c'est la torette, c'est pas les braises. Le problème, c'est que les braises, ça pèse beaucoup plus lourd que l'encens. Il y avait trois caves de braises. En plus de ça, il y a le fait que c'est chaud, et logiquement, pour un droitier, il aura plus de facilité, le Kohen Gadol, il était droitier, il aura plus de facilité à manipuler le chaud avec sa main droite, il pourra mieux supporter, mieux équilibrer et tout ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va inverser, il va prendre les braises, la pelle avec les braises à droite, et le kaf, où il y a la ktoret, à gauche. Ensuite, Aya Mehaler Baechal, il rentre maintenant dans le Echal. Il pénètre le Echal, la première pièce, où il y a le Aaron, et le voilà, Mizbach Ktoret et Menorah. Petite marloquette, d'où il vient, est-ce qu'il vient comme ça, ou il vient comme ça, ça dépend en fait comment elle va être, la parochette, comment il va être le rideau, mais là c'est une autre histoire, on va voir tout de suite. Jusqu'à Hachemagia, les ben, shtei aparochot, jusqu'à qu'il va arriver aux deux parochot, aux deux rideaux, à mavdilot, ben akodesh, ou ben kodesh et kodeshim, qui séparent entre le kodesh et kodeshim, le saint des saints, et le kodesh, le lieu saint, le sanctuaire, je sais pas comment on se dit, ou benéhem, ama, et il y avait entre ces deux rideaux, il y avait une ama de séparation, et Rabbi Yossi dit non! Loi et Hacham la parochet achat bilvad, il y avait là-bas une seule parochet, un seul rideau. Shenemar veivdila parochet lachem, ben akodesh ou ben kodesh kodeshim. Comme nous dit le Pasuk, que la parochet, le rideau, sépare entre le kodesh et le kodesh kodeshim, la Torah dans le Mishkan, elle ne parle pas spécifiquement, elle nous dit qu'il y avait un seul rideau. Assez complexe comment expliquer, on va le faire très très succinctement. C'est très simple. Initialement, il y avait effectivement une seule parochet d'après tous les avis. Dans le premier Beit Sheni, il y avait en fait des murs qui étaient construits en pierre. Et il y avait à cet endroit-là, en séparation, il y avait une seule parochette. Et donc le Kohen il devait rentrer, et puis c'est tout, il est arrivé dans le Kodesh HaKodeshim. Dans le deuxième Beit HaMikdash, il y a une situation un peu plus complexe. C'est que le deuxième Beit HaMikdash, elle était plus haut. Et s'il était plus haut, alors les murs, l'épaisseur des murs ne supportait plus, c'est-à-dire... Si plus vous allez faire un binyan haut, un immeuble haut, plus les murs vont devoir être épais, vous imaginez bien. Une petite chambre, vous pouvez la construire avec des briques de 7 cm, ça va tenir. Si vous construisez un building avec 7 cm, déjà arrive au troisième étage, votre immeuble va s'effondrer, il va falloir mettre des pierres plus grosses. Aujourd'hui, on a peut-être des techniques différentes pour fonctionner, mais en tout cas, sur le principe, on est tous d'accord. Donc, le deuxième Beit HaMikdash, il était plus haut. S'il était plus haut, ça ne suffisait plus de mettre des pierres de la même largeur qu'il y avait initialement de une amma, il fallait en mettre plus. Or, on n'avait pas le droit de mettre des mesures différentes. Du coup, la séparation entre le Kodesh et le Kodesh Kodeshim dans le deuxième Beit HaMikdash n'était qu'avec des rideaux uniquement. Au lieu d'avoir une partie en dur et une partie en rideau, il n'y avait que des rideaux pendant tout le long. Du coup,
Du coup, à la place de ce mur qui avait une épaisseur de une amma, d'une coudée, donc on a mis, il fallait mettre un seul rideau, là où la séparation entre le Kodesh HaKodeshim et le Kodesh se fait. Or, on ne savait pas ce que l'épaisseur du mur, est-ce qu'elle était, elle avait la sainteté du Kodesh HaKodeshim ou du Kodesh. Suite à ça, on a mis deux rideaux de séparation. C'est expliqué dans le Bar Tanoura. Et je reprends le cours de la Mishnah, et Rabbi Yossi nous dit non, il n'y avait qu'un seul rideau de séparation. En tout cas, on reprend maintenant, selon Tanakama, il y avait donc deux rideaux. Un rideau qui était Proufa, alors, Achitsona est à Proufa Minadarom, va Pnimit Minatsafon. Le rideau externe était Proufa Minadarom, était soulevé, comment dire, retenu comme un rideau qu'on pourrait prendre et qu'on va le soulever, qu'on va le fixer un petit peu entrouvert, il était entrouvert. L'ifrof, ça veut dire le laisser entrouvert comme ça, suspendu. Minadarom. Donc le rideau externe, il était dans la partie sud. Il était soulevé dans la partie sud. Et le rideau interne, il était soulevé dans la partie nord. C'est-à-dire, juste rappel, bien sûr, toujours on se dirige vers l'ouest. On entre de l'est, on va vers l'ouest. On a le nord à droite et le sud à gauche. Et on avance vers l'ouest. Donc il s'avère que maintenant, le rideau externe, le premier rideau que le Kohen Gadol va rencontrer, c'était le rideau externe. Il était parouf minadarom. Il était soulevé dans la partie sud. Et il va devoir rentrer ici, longer, pour ensuite arriver là-bas dans la partie nord. D'accord? C'est ce que la Mishnah me dit. Achitsona est à proufa minadarom. Le rideau externe, il était proufa. Il était soulevé ou entrouvert du côté sud. La pnimit minasafon et le pnimit. Le rideau interne était soulevé dans la partie nord. Minasafon. Et donc le Kohen Gadol, Mealer Benem, il va entrer, donc en fait il arrivait comme ça dans le Kodesh HaKodeshim, selon cet avis de Tanakama, il arrive dans le Kodesh HaKodeshim, dans la partie sud. Et donc il passait à côté de la menorah en fait, et pas du Shulchan, de la Chamapanim. Il passait par là-bas. Il entrait dans le rideau, dans la partie qui était soulevée. Il longeait l'entre-deux rideaux, il le longeait jusqu'à qu'il arrive dans la partie nord. Et quand il arrive à la partie nord, alors Mealer Benem, il marchait entre les deux, Achimaga la Tsafon jusqu'à qu'il arrive dans la partie nord. Higia la Tsafon, il arrive dans la partie nord. Donc ça y est, il arrive dans le Kodesh HaKodeshim. Ofer Panav la Darom. Il se retourne 180 degrés, direction maintenant sud, puisqu'il est sorti au nord. Il repart vers le sud. Mealer Lismolo, il m'a pas en fait, il marche sur sa gauche, en longeant avec à sa gauche la parochette. D'accord? Donc, ça en est clair, on a deux rideaux comme ça. Un qui est soulevé ici, il est entré par là, il arrive, il se retourne, il le longe, jusqu'à qu'il arrive. Noten, il est maintenant Hachéou Magia à l'Aaron, jusqu'à qu'il arrive au Aaron, à l'arche. Où il y avait les Louchot. Igia à l'Aaron, il est arrivé maintenant devant l'arche. Noten Atamarta Benchne Abadim. Entre les deux. Badim, les deux manches du Aaron, avec lequel on soulevait le Aaron. Alors, il pose entre les deux la Martha, la pelle avec les braises, et Tzavar et Aktoret al-Gaber Gechalim, et il était sauvère, il entassait, en fait, il éparpillait, en fait, le Gemara explique qu'il éparpillait comme ça au-dessus des braises, en commençant la partie la plus loin de lui, la plus interne, vers le Aaron, et il revenait en arrière pour ne pas se brûler les mains, parce que s'il commence par l'extérieur, ça va commencer à diffuser de la chaleur, et il ne pourra plus continuer. Et donc, Igiala Aaron, et donc Notanta Martha Benchamadim, il pose la pelle avec les braises entre les deux manches. Ça va rétactoret al-Gabe Gechalim, il va commencer maintenant à éparpiller, entasser l'actoret sur les braises. Venitmale kolabait kolo Ashan, et la chambre du Kodesh HaKodeshim se remplissait entièrement de Ashan. De fumée. Yatsa, maintenant il se retire, ou Balo, Beder, Bet Knisato. Yatsa ou Balo, il se retire et il s'en va, Beder, Bet Knisato, de la même manière qu'il arrivait, mais en marchant à reculons. Puisqu'il a longé l'actorette comme ça, il continue à longer l'actorette en marchant en arrière. Et la parochette en marchant en arrière jusqu'à ce qu'il va pouvoir se retourner et ressortir comme ça à reculons, comme signe de kavod, entre parenthèses. Au même titre que lorsqu'on sort de la bête à Knesset, c'est la même chose qu'on a rapporté dans la Gemara ici, que lorsqu'on sort de la synagogue, on ne donne pas le dos à la synagogue. On ne laisse pas la synagogue derrière soi, le Echal derrière soi. Alors c'est pas la peine, il y en a qui se retourne complètement pour être face au Echal. C'est pas obligé d'en faire autant. On peut se contenter de pivoter un petit peu
et de sortir, c'est pas, ça y est, je te dis au revoir, je te montre ma nuque. Non, je me retire de manière respectueuse. Même principe, il sort donc du Echal, c'est de Dieu aussi de Shlomo HaMelech. La Gemara rapporte ici, c'est par rapport à Shlomo HaMelech, de quand il est parti à Givon, c'est de Dieu de Psukim. Donc, Yatsa Ubalo Bederech Bet Knisato, il se retire, il s'en va maintenant comme ce qu'il était entré, et il est arrivé dans le Echal, ou Mitpalel Tfila Ktsara Bebaït Achitson, et il priait une courte Tfila lorsqu'il est arrivé dans le Bait Achitson, dans la pièce externe, donc dans le Echal, comme nous dit le Parthenora. Il ne rallongeait pas dans sa tefila, il ne s'est pas maintenant prié pendant une demi-heure. Pourquoi? Afin de ne pas faire peur à Israël. Le peuple d'Israël attend qu'il sorte, ils ont peur que le Kohen Gadol, il est peut-être mort à l'intérieur, peut-être qu'il a été foudroyé, il a une mauvaise intention, et que ça ne lui a pas réussi. Et donc il disait juste une tefila pour ressortir le plus vite. Quel était le contenu de cette tefila? C'est rapporté, on le dit dans le Nosar de Yom Kippour, il disait, Yehi Ratzon, Milfanecha Hashem Elokai, que soit ta volonté Hashem, Sheim, Shanazo, Shechuna, que si cette année elle est prévue d'être chaude devant toi, Tehe Gishoma, je suis en train de qu'elle soit pluvieuse, Velo Yade, Avad Sultan, Midebet Yehuda, et que le, littéralement le bâton, que la direction du peuple d'Israël, elle soit toujours dans la main des enfants de Yehuda, dans la maison de Yehuda, David Amelech, et ses descendants, Velo Yo, Amecha Israël Tzichin Parnassa Azem Izeh Olam Acher, et que le peuple d'Israël, tes enfants d'Israël, n'aient pas besoin de Parnassa, ne soient pas dépendants de leur Parnassa l'un de l'autre, qu'ils reçoivent tous leur Shefa, Olam Acher, et ni non plus d'un peuple d'un autre peuple différent. Et qu'elle n'entre pas devant toi la prière de ceux qui sortent en chemin, que quelqu'un qui parte, on a besoin de pluie maintenant. Il y a quelqu'un qui va vouloir prendre la route, il y a de la pluie, il va se mettre à prier Hachem qu'il n'y ait pas de pluie. T'es gentil, toi tu ne vas pas avoir de pluie, mais nous, on n'aura pas de fruits pour l'été prochain. Donc le Kohen Gadol est prié, annule cette filotte là de ceux qui veulent prier qu'il n'y ait pas de pluie, tu les ne lance pas. D'accord? Et on a fini la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.